Bonjour à tous les amis, c'est un Joff avec ses amis. Présentez-vous. Bonjour. Hey, c'est Frost. Pour le JDR. Donc on s'était arrêté la dernière fois sur le fait qu'on poursuivait un mec qui traîne par ici, qu'on n'a toujours pas vu son token d'ailleurs. Ça se trouve c'est un putain de pigeon. Non, c'est pas être un pigeon qui tire une fléchette à ma connaissance, à moins que ce soit le pigeon ninja. Qui tire des fléchettes, ah oui, j'avais aussi fait, j'ai préparé un petit KFC. Voilà. Et du coup on était à deux à le courser, moi et Frost. Spirit Wolf est resté de là parce qu'il s'était pris une fléchette. Et il y a Volker qui s'est réveillé et qui est allé voir l'état de Spirit Wolf. En train de manger chez Chocapic. Très bien. Donc, pendant que vous discutiez, que vous couriez dans tous les sens, il est sorti de votre champ de vision, cet homme, cette silhouette, et il est parti sous les arbres. Et on entend un sifflement. Que fais-tu, Spiritus? Bah du coup je demande à Volker de m'aider par rapport à la fléchette que tu crains empoisonner. Essayer de me la retirer et de penser un petit peu à la blessure tout en et puis est-ce qu'il est capable de voir savoir si la fléchette est empoisonnée? Très bien, bah du coup je vais faire jouer Volker tout de suite pour une fois. Vas-y, tu peux tenter. Donc descends. Voilà. C'est un test d'intelligence a priori. D'accord, tu fais intelligence. On descend. Ton bonus de prêtre. Alors, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour régler le bonus déjà? Les bonus sont légères, il n'y a pas de réglage. Tu lances le dessin et on te dit après. Ouais, dans ta fiche, tu as un besoin guérisseur plus 15% en soins magiques et non magiques. Ça rentre là-dedans. Okay. Avec un dé de plus 100. Ouais. Un dessin donc. Tu lances dessin. 54. Normalement ça passe. Hein. Ça passe largement, même sans le bonus. C'est cool. Ah d'accord. C'est cool. Très bien. Donc tu examines cette petite fléchette en prenant soin de ne pas la retirer. Et donc tu t'aperçois que c'est vraiment quelque chose de tout petit. Certainement pas quelque chose qui a été fait simplement pour blesser. C'est quelque chose qui contient probablement une substance. D'accord. Il n'y a pas un moyen que je l'analyse? Non, ça c'est pour moi ça. Non mais il a le droit hein. Il a le droit. Tu pourrais l'examiner rapidement mais il faudrait retirer la fléchette. Tu sais pas si ça pourrait avoir des conséquences dangereuses éventuellement. D'accord. Ouais, surtout Frosty de faire ça. Est-ce que en tout cas je peux apaiser la douleur de façon à ce qu'il puisse se déplacer tranquillement? Mon KFC. Très bien, donc tu fais un petit sort, un petit remontant. D'accord. Qui ne te coûtera que 2 points d'énergie. C'est un sort très simple. Ça va. Moi, je suis bien bloqué. Et je te donne un bonus de 10% puisque c'est un sort très facile. D'accord. T'es de combien? T'es de 100 toujours. Toujours. Bah, sauf pour les dégâts. Sauf pour les dégâts où c'est un D6. 48. Donc ça passe. Ça passe. Tu infuses ton énergie à Spiritus qui se sent d'un coup beaucoup mieux. Même s'il y a toujours cette petite douleur au niveau de son épaule, mais il sent qu'il pourra marcher en attendant qu'on l'examine de façon plus approfondie. Au pire, on lui coupe le bras. C'est quoi cette violence là? On te fait un garrot et on te coupe le bras. Exactement. Attention à la fureur de mon bâton, ne jamais s'en prendre au client d'un prêtre. Okino. Donc t'es toujours en train de courir comme un dératé. Toujours en train de courir. Est-ce que je vois quelque chose de plus? Je pense que je peux m'avancer par là, un peu plus loin ou pas? Apparemment, vous les avez plus ou moins perdus. Merde. Et là, je gueule sur Okino. Putain. Donc Okino, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu continues à le poursuivre dans la forêt? Bah, ça sert à rien. Ça va te faire changer de map ou une map que tu possèdes pas. Si. Ah, tu la possèdes, ah bah je continue. Ah bah je continue. Réfléchis aux conséquences de ton action. Ah bah oui, mais la dernière fois je suis mort. T'auras trop de souffrance. Autant continuer. De toute façon, il y a un assassin qui va me suivre. Donc j'y vais. Ok. N'hésiterai pas à tuer si cette décision se révèle mauvaise. Alors, donc, tu m'as incité à y aller. Frost, j'imagine que tu le suis. Bah oui. Bon bah très bien. Ça sent le guet-apens. Ah, je crie au passage à Spirit Wolf de venir au plus vite. Ouais, c'est ce que je comptais faire de toute façon. Je comptais quand même suivre pour savoir qui c'est qui m'avait envoyé cette flèche. Chette. Moi, je suis le groupe. Hein. Et donc tu cours comme un gros malade et le prêtre vous suit. effectivement. Non, pas aussi loin, pas aussi loin. Toi, tu... Spirit Wolf, il peut nous rattraper parce que c'est un loup-garou qui se déplace rapidement, mais toi par ici, ouais. À peu près votre planton, pour dire. Voilà. Le prêtre qui est pas du tout en retard. Non, à peine. Le loup-garou qui a tracé dans la forêt. Hé, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Non, il a flashé le skin. Ah non, c'est pas le skin de Valiel, j'ai cru. Les gars, juste, est-ce que je pourrais me déplacer dans les arbres? En mode gros thug. Non, moi je dois attendre. Non, j'ai cru que c'était le skin de Valiel. Pardon. Très bien. Le lézard. Allez, on arrive en haut. Et tiens, le lézard. Ouais, le lézard. Oh, un campement, du pillage. Du pillage. Du pillage. Du pillage. Mon père. Très bien. Donc, on a tous craqué. Spiritus de commencer. Donc tu vois deux ou trois silhouettes qui courent dans les bois. Et d'ailleurs, retourne-les parce que là, ils sont dirigés vers nous. Hein. L'enculé n'est pas là. Continue de les poursuivre, ouais. Très bien. Donc tu les poursuis, mais ils courent vite. Mais évidemment, en tant que loup-garou, tu cours encore un peu plus vite qu'eux et tu commences à les rattraper. Il pourrait pas, mais il pourrait pas. Ok, non, bah moi, si je peux m'approcher. Bon, sur ses épaules, ça ira plus vite. Je peux m'approcher jusqu'où, Fanax? J'étais celui qui était le plus devant à la base, je précise. Vas-y, bah mets-toi là. Là où tu es, c'est bon. Et donc, là où je suis, Frost court après toi. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux réussir à lancer un sort? Non, j'ai pas assez de distance. Non, c'est. Est-ce que je peux en préparer un? Oui, tu peux commencer à charger un éclair. Je commence à charger un éclair, donc ça me donnerait un bonus de combien? Bah, tu auras un bonus aux dégâts. Un bonus aux dégâts, ok. J'aurais voulu un bonus au lancer, mais bon. Pas grave. Donc tu perds dès maintenant un point de mana. Un point de mana tout de suite. Et j'en perdrai que 3 la prochaine fois, du coup? Ou 2? Tu perdras le nombre normal. Ah, donc du coup, en total, ça m'en fera perdre 5. Ok. Ça fera... Je tomberai à pile 20 points de mana si je réduis pas. Très bien. Du coup, notre ami Volker qui courait un peu moins vite que les autres. Comment ça arriver? D'accord, donc c'est pas dû à ses origines, non? Justement, ce sont des très bons sprinteurs à la base, les nains, mais bon. Oui, mais lui, il est entre les deux, c'est un demi, donc... Et Frost, donc, bah, moi... J'imagine que tu cours, toi aussi. Et il court plus vite que moi, logiquement. Okino, peut-être à mon avis, parce qu'Okino, il est en train de chercher une attaque, donc je suis en train de lui tracer. Je vais tracer ce moment. Allez, salut! Tu commences à dépasser Okino qui ralentit pour se concentrer. Très bien. Bah, et du coup, qu'est-ce que... Bah, ok, le mec, je lui dis deux phrases. Bah, okay, tu ne peux absolument rien faire, en fait, tu peux tout simplement courir parce que tes ennemis sont trop loin. Même, même moi, je peux pas les atteindre avec un sort de distance, donc... Très bien, donc pendant ce temps-là, il court et il commence à atteindre une rangée de tentes. Alors, vu le nombre de tentes, vous pouvez légitimement commencer à vous inquiéter. Oh, mais s'il nous tue dès le début, je sens que d'après moi, c'est tente. Moi, je dis, faut faire attention à la grosse tente. Hein. Ouais, du coup, une archère elfe se tourne vers vous, l'arc dans ça. Ah, d'accord, je suis. Alors, CLB, si tu regardes cette vidéo, je m'excuse d'avoir confondu cette archère avec ton ancien personnage. Bon, il n'y a pas vraiment de différence. Tu me diras, la différence n'est pas très grande. Ça part en clash? Spiritus, qu'est-ce que tu fais? Tu vas par où? Bah, je vais essayer de m'écarter parce qu'à mon avis, si elle me tire une flèche et que c'est aussi une flèche empoisonnée, j'ai un peu, je risque de l'avoir mal. Donc je m'écarte un peu, par contre. Là, donc continue à avancer, mais passe par là, passe derrière cet arbre. En avançant, recule pas. Faut jamais reculer. Surtout que d'après moi, elle a pas. Jamais reculer. Jamais. À quel point vous avez tort. C'est pas grave. Tu sais, plus tu veux qu'on recule, plus on va avancer. Sachant qu'il suffit que je lance un éclair sur une tente, il y a tout qui s'enflamme, je précise. Je lance un éclair sur une tente, il y a tout qui s'enflamme. Comment la situation évolue par rapport à les deux autres. Donc Okino, donc toi tu continues à courir en chargeant ton éclair? Oui, bah d'ailleurs je m'éloigne parce que je distingue les tentes par ici là, j'avais cet angle. Donc je m'écarte pour mettre, pour au final arriver par là, foudroyer cette tente, mettre le feu à tout et regarder tout brûler. Très bien. Donc tu peux pas charger plus, hein, c'est... Oui, donc je perds pas de niveau. Du coup, je demanderai aussi à maintenir s'occuper de l'archère en priorité, parce que je dirais que c'est la plus dangereuse. Non, mais je vais pas pouvoir m'en approcher, moi. Moi, je peux le faire, moi. Voilà, c'est ça, je parle à Frost, j'aimerais qu'il s'occupe de l'archère, du coup. Oui, t'inquiète pas, je vais me l'occuper. Bah oui, je vais m'occuper. Le pire, c'est que c'est le seul qui a une chance d'esquiver une flèche, lui. À moi? Ouais. Oui, du coup. Bah, ce que je vais faire, bah, c'est... Bah, je vais essayer de balancer une dague sur son arc pour que, bah... Déjà, rapproche-toi. Déjà, rapproche-toi, tu arrives par là. Loin, donc, bah, je me rapproche d'elle. Spiritus. Ouais, je me mets... Bon, au pire... Ah oui, je pourrais avoir une autre idée, sinon... Bah, là, Spiritus est devant moi, oui, c'est ça. Ouais, un peu. Bah, je pourrais essayer de sauter sur ses épaules. Bah, pour prendre la hauteur, comme ça, la meuf, le temps qu'elle essaye de viser, bah, je lui balance une dague. Le pire, c'est que c'est pas con parce que viser en hauteur, c'est très difficile. Très bien, la flèche dans l'épaule. Donc pour l'instant, tu es en train de monter sur son dos, pas sur son épaule. Tu pourras le faire au prochain tour d'ici quelques secondes. Et le loup-garou est largement assez costaud pour soulever. Oui, y a pas de problème. Un simple humain. Y a pas de problème de ce côté-là. Oui. Moi j'arrive hein. Et pendant ce temps-là, un certain nain pilote à toute allure dans la foule. Un certain dominant. T'as le mec qui arrive comme ça. Attendez-moi le mec. Non, je suis un dominant et j'étais habitué de courir dans ces paysages-là. Alors, ça va. Ça va pour l'instant. Respect my authority, bitch. Donc Spiritus, j'imagine que tu as peut-être remarqué que Frost était en train de courir vers toi. En faisant attention! De toute façon, j'avais des idées de m'arrêter ici. Hashtag trampoline! Et ouais, et donc, en le voyant, je pense que j'ai un peu deviné ses intentions. Bon, t'inquiète pas, tu vas juste me servir de trampoline, c'est bon, y'a rien. Arrête! Non, mais j'ai confiance, hein, t'inquiète, j'ai confiance. J'ai confiance, t'inquiète. Pendant ce temps, le trio qui se déplace vraiment à l'unisson en bas. Ouais, non, mais parce que Fanax il se fait pas chier, il sélectionne en zone et. Vous déplacez tous les trois exactement en même temps. Feu, là. Ouais. Ah, oh, c'est compliqué. Vous. Ah, il y en a un autre qui sort. Bah, il va être surpris parce que moi, lui, il a pas pu me voir. Ça... En fait, je crois que personne n'a pu m'observer, me voir. Si eux, ils ont dû me voir avec l'éclair, si, mais ils savent pas où je suis. Non, non, elle peut pas me voir. Elle est concentrée sur vous. Maintenant. Bah, moi, je me déplace par ici. Très bien. Et de là, bah, je peux normalement enflammer la tente, lancer un éclair sur la tente. Très bien, bah vas-y. Un sort de foudre mineur. 10 boom bitch. Oh. C'est pas une réussite donc, critique, mais là j'enflamme tout là. Donc tu enlèves tes points. Ouais, mais 4, moins 4. Hop. Donc c'est fait. Voilà, et donc tu envoies un puissant éclair chargé sur la tente, l'éclair perce la toile sans aucune difficulté. Je fais quand même un dé de dégâts, ou pas? Commence immédiatement à s'enflammer, non tu ne fais pas de dé de dégâts sur la tente, parce que la tente tu l'as one shot. Heureusement. Voilà, donc la tente s'enflamme immédiatement, et tu entends plusieurs cris à l'intérieur du camp. Oh le con! Yeah. Ah non mais c'était volontaire. C'est leur temps de brûle, ils vont plus se concentrer sur nous, ils vont soit fuir... Soit se concentrer sur essayer de préserver leur vivre. Ouais. Soit ils vont te voir tout seul isolé et vont foncer sur toi. Ah bah ils foncent sur moi, j'ai des dagues électriques dans les poches. Qui s'approche? Bon même si la dernière fois je me la suis planté moi-même. Oui. Ok. J'ai encore raté aucun. Ben, vas-y Frost. Tu peux pas faire un effet pour montrer qu'elle est enflammée? Bah... Ah du coup bah je vous l'ai dit, bah je lui balance une dague. Ouais bah donc tu voilà. Fais ton donc, test. Agilité, voilà, donc descend. D'adresse. Voilà. Donc les dés du MJ, ils sont merveilleux. Ah les dés du MJ, ceux qu'on pourrait croire craquer, mais en fait non, pas du tout. Mais non, ils sont legit. 9 9 Pas mal. C'est pas une réussite critique, c'est toujours pas. Hein. Réussite critique, je rappelle, c'est en dessous de 5. Frost, tu bondis sur les épaules du loup-garou et tu t'élances au-dessus de l'arbre. Prêt à envoyer une de tes dagues sur l'archère. Donc tu vas me faire un nouveau test d'adresse. Le mec il fait deux tests en 259 secondes. C'est compliqué. Réussite critique, il l'aurait complètement décapité avec sa dague. Hein. Réussite critique, je précise. Tu as mis un edge. Et ça passe. Wow. Et ça passe et maintenant plus que le D6. Très bien, donc tu t'élances au-dessus des arbres et tu balances un poignard en plein sur l'archère. Donc D6. D6. Headshot. 3. Il a pas un bonus, en dégâts avec les dagues. De poignards 1d6 plus 1, donc tu fais 4 points de dégâts à cette malheureuse archère. Est-ce que du coup, j'aurais pu avec mes, comment dire, avec mes poignards les saupoudrer, tu sais, un peu de drogue et tout. non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est bien trop tard. Ah bon, et puis la façon dont tu l'as dit, drogue et que c'est une archère. Non, pas drogue, mais. Non, de poison en gros. Du stupéfiant pour qu'elle ait peur. Elle atterrit juste devant elle. Et elle a donc évidemment elle a décoché sa flèche sous la douleur. Du coup elle est partie au pif à un endroit et là elle touche un pigeon. Bon bah on a deux KFC ce soir. Encore vas-y Volker. Volker qui voit la flèche passer au-dessus de lui. Continue, tu arrives dans cette clairière là. Et tu vois une flèche passer au-dessus de ta tête. Des grâces de quoi. Je reste relativement abrité ici. Bon moi je vais rester là. Moi, bah toi t'es encore dans les airs, t'es encore dans les airs toi Frost. Donc Spiritus pendant ce temps. Ah bah tu sautes dessus parce que l'archère elle ne peut plus rien te faire. Voilà c'est ça, j'ai tenté de lui sauter dessus, l'attaquer. Donc vous voyez qu'ils sont merde tu as repéré assez nombreux. Ils m'ont repéré. Comment ils ont fait putain. Comment ils savent que les flammes viennent de ce côté. Pourquoi ah, ils sont pas bêtes hein. Faut pas croire. Ouais, bon, donc, du coup, ça qui un petit peu éveillé tout ce camp. C'est un peu logique. Hein. Je me concentre toujours sur l'archère parce que c'est toujours la plus dangereuse. Sachant que les tentes étant extrêmement inflammables et les ressources qu'ils doivent avoir aussi, je me demande à quelle vitesse ça va brûler tout ça. Ouais, c'est pas faux. Donc, tu attaques l'archère. Voilà, c'est ça. Ok. Bah, fais-moi un jet de force. 62. Est-ce que ça passe? Il me semble. Il me semble que ça passe, non, Spirit? Je sais pas. Force 65, donc ouais. Non. Force, si c'est un jet de force, ça passe. Ok, bah fais-moi un D6. T'as peut-être des bonus. Oh, ouais. Deux, alors. J'ai eu un petit. Oh, le D6 fail. Bon, tu fais que 2 de dégâts, je crois que t'as un plus 1. Je crois qu'avec plus 2 dégâts avec. Spirit Wolf l'a attaqué l'archère. Oui, il me semble que tu fais. Avec les griffes, donc ça fait 4 points de dégâts. Ok. Donc tu lui donnes un violent coup de patte dans la poitrine à cette pauvre femme. Elle doit voler quand même. Est-ce qu'elle peut pas atterrir ici? Elle peut pas atterrir sur elle, sur lui. Ah, dommage. Ça aurait été marrant qu'elle atterrisse ici. Donc l'archère pour l'instant semble plus ou moins hors de combat. Finish him. Ah, et non, c'est moi qui viens arriver par derrière. Okino, tu vois deux personnages avec des épées qui s'avancent vers toi, c'est assez menaçant. J'en ai de mauvais souvenirs de personnages avec des épées. Ah, il y a tout qui s'enflamme, les arbres aussi. Non, non. Il y a la deuxième temple qui commence pas à s'enflammer à côté. Encore, ça va pas tarder. Qu'est-ce que tu fais? Je lance sur celui qui a l'air le plus menaçant parce qu'il a l'air d'avoir un bouclier. Oui, je lui lance un éclair mineur. Ah, le pire, c'est qu'il a une antenne parabolique avec son épée. Oui. Bah sur son épée ou sur son bouclier, peu importe, en tous les cas c'est de l'acier. Ouais c'est de l'acier parce que il a une arme, il doit avoir une armure donc ouais. Hop, donc descend. Ah ouais, là juste descend. 54 ça passe. Ça passe. Moi je dis bravo Kino qui nous fait d'abord un petit KFC puis ensuite un popcorn. 1 des 6, 4 plus 1 ça fait 5. Allez, j'ai encore raté aucun lancer hein. Ouais. On compte 6 de dégâts. J'ai balancé une dague voilà. Alors que ouais toi t'as fait une action stylée. Le mec il doit être quand même un peu sonné. J'ai envie de lui dire se prendre. Tu lances un éclair, tu lances un éclair qui atteint son plastron. Il se ressaisit immédiatement et continue à foncer vers toi. Le mec qui joue jamais à Minecraft. Je recule en même temps d'ailleurs. Ok. Hop, je suis pas con. Oui. T'as perdu un de tes couteaux lancés, mais il te reste 5 dagues et un dernier couteau de lancer. Parce que t'adores en avoir avec. L'archère, tu la laisses, je te conseille de rusher sur les mecs qu'il y a devant. Ouais, voilà. L'archère, il est fini. Bon. Spirit Wolf, au prochain tour, plus de tête. Bah, il y aurait possibilité que j'utilise un sort d'illusion ou pas? Éventuellement, mais sauf que bon, là, les sorts d'illusion, dans l'état où vous êtes. Non, mais c'est illusion, parce que là, il y a combien de personnes devant. Contre Okino, pardon. 2 et le reste de la bande semble se précipiter vers vous. Je pourrais comment dire faire un sort d'illusion sur l'un des deux d'Okino et en fait qui me voient je sais pas si je pourrais genre qu'ils me voient en double. Non tu peux faire une tu peux pas faire ça, tu peux faire une illusion maximum de la taille d'une poule. Hein c'est le sort de niveau 1. Invocateur novice. Oui, donc si tu veux tu peux essayer d'invoquer par contre une genre de flamme qui est comme une de faire comme si tu créais une flamme qui apparaît devant moi. Ça tu peux normalement. Ça va être une illusion, moi je vais le comprendre très vite parce qu'il y a personne devant moi qui n'a la carrure d'un mage. Donc je vais comprendre très vite que ça peut être qu'une illusion, surtout que je vais pas sentir la chaleur. Ouais. Bah, je vais faire comme il, il m'a dit, c'est-à-dire bah voilà, je vais créer une illusion. Une illusion de flamme devant moi. Et tu vas la créer devant moi par ici là. Ouais. Bah déjà il faut un test non? Bah sauf qu'il est de toute façon beaucoup trop loin, il peut la générer à quelques mètres de lui. Ah il peut pas la générer là-bas. On va plutôt la mettre ici de façon à ce que les personnages reculent. Ouais aussi. Ok, bah ici devant les personnages. De toute façon en plus ça isoler leur chair. Que tu vas lancer une boule de feu, ça pourrait les intimider. Ouais voilà c'est ça en gros que je voulais faire qu'il fasse. Je suis en train de lui faire semblant que il va tirer un putain d'Aidoken. Le pire c'est qu'au bout d'un moment tu pourras le faire normalement. Ouais. Donc tu sais le mec, imagine, on affronte le boss final, il avait déjà vu l'illusion du Lidoken. Ah c'est encore une illusion et là. Dans ta gueule. C'est une illusion. 51. Je suis pas sûr que ça passe. Si ça passe. Ça passe ouais. Très bien, donc tu fais naître une petite illusion dans la paume de ta main, une petite flamèche. Évidemment, l'archère en la voyant est absolument terrifiée. Elle croit que tu vas lui lancer une énorme boule de feu. Donc elle recule précipitamment. Les autres ennemis aussi commencent à battre légèrement en retraite en attendant que le sort se passe. Sachant que les autres commencent à se rendre compte qu'il y a un problème derrière, d'après moi, ceux qui sont là. Très bien. Volker. Oh bah il se rapproche, il se rapproche et il se planque derrière cet arbre. Planque-toi là derrière cet arbre que je ping. Je continue à m'approcher, peut-être plutôt ici de façon à pouvoir entre guillemets. Ah oui, faire le healer. Pour notre ami Spiritus, au cas où que une douleur se réveille. Remarque ça, je dirais plus va plutôt supporter. Ah oui, va plutôt vers moi, va plutôt vers moi parce que j'ai deux mecs. Moi je reviens sur les capacités de mon personnage. Donc viens par ici. Volker. Volker, viens ici, viens là où je ping plutôt Volker, parce que oui parce que c'est moi qui suis seul, eux ils sont deux, ils en ont un qui a fait reculer tout le monde à l'instant. Bah moi j'aurais bien aimé récupérer l'arc de la archère pour pouvoir l'utiliser. Le problème c'est qu'elle est encore en vie, elle est encore en vie, et celui qui souffle comme un malade qui l'arrête. Et puis au cas où un petit coup de bâton dans la gueule du mec en armure, ça pourrait marcher. Celui qui souffle qui peut arrêter de souffler dans son micro. Ouais. Pardonnez-moi. D'accord. Donc celui-là qui n'a pas été freiné par l'éclair arrive au combat, au contact et tente de te ça va être bon. De frapper. Ok. Ça je crois que c'est un dé que je vais pas pouvoir voir d'ailleurs. 67 ah si je le vois. 67. Très bien. Donc il réussit à te frapper. J'ai pas un test. Tu peux éventuellement essayer de parer. Ouais. Une parade donc c'est un dessin. Voilà, même si t'as que 15 en parade. Ah, ça passe pas. 40. Ça passe. Allez, très bien. Prends le coup, donc 3 dégâts dans la gueule. Nanana. Très bien, donc il t'inflige 5 points de dégâts. Un violent coup d'épée qui traverse sans peine tes vêtements. Ouais, c'est vrai que moi je suis le seul sans armure. 5 points de dégâts. Hey, ouais, 5. Oui, mais toi t'es un loup-garou, t'as une putain de peau. Bon, c'est à moi de jouer. Derrière. C'est à moi de jouer. Donc Spiritus. Ah non, c'était pas pour Spirit Wolf. Ouais. J'achève l'arche, je vais essayer de. Non, ne te concentre pas sur elle, elle ne te décochera pas une autre flèche. Ah, ça, je peux te l'assurer, elle aura jamais le temps. Là, elle a son arc à la main, elle a vraiment reculé, elle a pas l'air d'être sur le point de t'attaquer. Elle est un peu dans la merde. D'accord. Saute plutôt sur le lézard. Mais cette fois, tue-le. Donc ouais, le feu se propage. Je vais tenter de sauter sur les. Ouais, d'après moi, ils reculent de plus en plus aussi les autres parce qu'il y a le feu qui s'approche et sur cette tente aussi, non? Pas encore. Ouais, je vais tenter d'attaquer le. Je vais tenter d'attaquer le lézard. Ok. Ah, le lézard est arrivé. Lézard qui a l'air particulièrement agressif. Bon, on va. 88. Ah, le fail. Oh non, Spirit. Donc tu envoies un violent coup dans la direction du lézard, mais tu le rates complètement, il fait un pas de côté et te redévisage d'un air indifférent. De snob. Donc là c'est à qui? Okino. Donc c'est à moi. T'es vraiment en difficulté. Je suis vraiment en difficulté, j'ai le healer à côté. Ce que je fais, je le sens sa présence, il est pas discret. Je l'entends aussi arriver. Parce que je suis en dominant. Non, bah, je m'approche à lui, je lui pose la main sur son armure et je lui balance un éclair direct au corps à corps. Ok. Ah oui. Alors, coup de taser. Là, si ça touche, il est fini si ça touche. Très bien, donc tu es au contact, tu peux faire ça. Si 49, ça passe. Et fais-moi un jet de dégâts avec un bonus de plus 2. Comme ça. Un bonus de plus 2. BOOM. Oh là c'est fini là. Sur son armure, tu lui envoies une violente décharge. Il est projeté en arrière et retombe contre la tente en feu. L'autre il doit avoir un peu peur quand même, celui-là qui est à côté. C'est quoi ce bordel? Moi j'étais venu pour des vacances quoi. Apparemment tu as gagné un peu de temps. Il a l'air vraiment en difficulté. Frost. Bah moi du coup je vais m'occuper du deuxième mec, à part si on l'a déjà buté. Bah en fait le truc c'est que quand vous êtes arrivé dans leur campement, manifestement ils sont pleins et vous avez à peu près 5 adversaires contre vous. 5 adversaires. Ok, bah... Vous êtes clairement en infériorité numérique. Est-ce que je... Ouais, voilà, mais... Est-ce que je serais plus près d'une personne en particulier ou... non? Près de l'archère, ou du lézard. Ouais, près de l'archère. Ah, ok. Bah... Profite ça, moi je vais... Je vais courir vers l'archère. Bah, elle, là, de toute façon, elle peut plus trop bouger, elle peut plus décocher de laisse, ni rien. Je me mets derrière elle et je lui mets un violent coup de... Comment on appelle ça? Dague. Non, non, pas de dague, je vais pas la tuer, non, je vais l'assommer. Tu lui donnes un coup de quoi alors? Un coup de poing? Voilà. Ouais, je lui mets un gros coup de poing dans la tempe, derrière, tais-toi. Ok. Finisher. Finisher. Hop, je balance un jet de force. 71, je crois. 71, donc c'est un échec. Et donc, tu te places derrière l'archère qui est... Elle met un gros coup de coude, boum. Qui commence à crier, et là, tu lui donnes un violent coup sur le crâne pour essayer de l'assommer. Tu lui donnes simplement un violent coup de... sur le crâne et tu as très mal aux phalanges. Aïe! Putain, trop cerveau! Tu arrives presque à lui redonner le sourire avec ton incompétence. Volker. Alors, moi, je continue à me diriger, donc voilà, par là. Et j'envoie direct un sort de soin sur Mister pour pouvoir le soigner. Mister? Sur moi. Mister Okino si tu préfères. Le match qui fout le feu. Donc très bien, donc tu lui envoies un léger sort de soin qui va pas pouvoir être lancé tout de suite. Donc tu commences... Oui, je commence à le charger. Tu commences à charger ton sort. Je commence à le charger en me dépensant légèrement. Moi je pense que lui, de toute façon, lui il a dû être reculé parce que quoi qu'il arrive, il a dû esquiver l'autre mec qui vole, dans le pire des cas. Donc... Ou bien sinon il était... Donc il m'attendra pas à ce tour, j'en suis quasiment sûr. Et si il m'atteint, il va lui arriver la même chose. Ok, donc c'est de nouveau aux autres. Dans 3 minutes c'est la fin, donc. Donc celui-là, celui-là hurle, tu me feras pas la même chose pour le protecteur. Et tout en restant à distance, il essaie de t'enfoncer son épée en restant le plus loin possible de ton bâton. Ok. Et là tu le touches avec son bâton. Ce qu'il a pas compris, c'est que c'était ma main le plus dangereux, mais bon. Donc je tente une esquive, hein, donc fais son GD, 66. 66, très bien. Donc je tente mon esquive, il tente de donner un coup, mais il a tellement voulu s'écarter de toi que tout simplement il ne peut pas te toucher. Ah, il peut pas me toucher. Ah. Et donc il recule légèrement en levant son bouclier contre lui. Il est con, hein. Il n'a pas compris que ça servait à rien. Donc Spiritus, le lézard fonce sur toi à toute allure et saute sur toi pour te mordre. Ah, qui en premier? Le feu aussi, t'as oublié le feu. Je tiens à mon feu, moi. Très bien, donc le lézard saute et retombe à côté de toi sans t'avoir plus qu'égratigné. Et pendant ce temps-là, l'autre guerrier avec son épée se ramène et tente de t'asséner un coup. 35. Allez, ça touche. Très bien, il vise parfaitement et tu peux tenter de parer le coup avec tes bras. Ouais, je vais tenter. Parti. 8. Oh, allez. Donc tu lèves ta patte au dernier moment et tu réussis à atténuer un peu la puissance du coup. Tu perds tout de même 2 points de vie. Ouais. Ça va. Et l'autre mec se rend compte qu'il est dans la merde aussi. Et là il se dit non mais on est copains finalement, non pas... Donc tous les autres derrière, pendant que l'illusion de boule de feu s'est dissipée, foncent vers vous. L'archère se tourne vers toi, Frost, te lance un regard mauvais, ricane, dégaine une dague et tente de te l'enfoncer dans le ventre. Sauf que déjà va se calmer direct, je lui prends, je lui tords le bras, direct. Aïe, tu te fais déglinguer. Tu te fais déglinguer. Aïe. Je allez. Très bien. Donc tu es en train de masser tes doigts qui sont vraiment douloureux. Et elle t'enfonce donc ce coup de poignard pile au bon endroit dans un défaut de l'armure. Tu ne peux rien faire, tu hurles. Et tu perds. Connasse. Bon, et je crois que c'est ainsi que va s'achever cet épisode. Mon Dieu. Oh non, j'avais dit qu'il fallait que j'aille vers contre sanguinolent. Tu hurles, tu recules et l'archère t'adresse un sourire de triomphe. Et donc c'est sur cette action de l'archère incroyable, bien mieux que CLB, effectivement, que l'épisode va s'achever. Bye tout le monde. Bye. Salut.